Ok, donc ça c'est le Nokia HA 300 de la nouvelle série HA. C'est un appareil de type touch and type, ça c'est certain. Donc avec de ce côté-là le pavé numérique et là l'écran tactile. Donc ça c'est du résistif sous S40. Donc, comme on l'avait vu sur pas mal d'autres appareils annoncés l'année dernière. Donc, on va faire un petit tour de l'appareil puis on va regarder un peu l'interface pour cette petite prise en main. Donc là des boutons physiques. Décrocher, raccrocher et un message rapide pour accéder. Pardon, un bouton rapide pour accéder au message. Le pavé numérique physique, plutôt sympa. Donc là dans une version plutôt argentée et chromée. Côté droit, bouton de volume que vous voyez assez mal là, désolé. Et un bouton qui permet de verrouiller, déverrouiller l'appareil. Vous voyez. Là pour un lock, je fais ça. Sur le dessus, on a le jack, le micro USB qui est ici, et là, le 2 mm pour recharger l'appareil. En bas, on n'a rien, à part sûrement un micro quelque part. Et à l'arrière. Ok, on va changer. Can I grab it? Thank you very much. Ok, on va passer sur un appareil un peu plus sympa à regarder. Et l'appareil photo, 5 mégapixels ici, une coque en plastique, blanche, plutôt jolie. Je vais voir si je peux l'allumer. Hop. Can I look at the interface for a bit? Thank you very much. Ok, donc là on est sous S40 en édition Touch and Type, donc comme je vous disais. C'est quelque chose d'assez classique que vous connaissez sûrement déjà. Les grosses nouveautés ici, ça va être le nouveau navigateur avec ce système de compression des données pour optimiser le chargement. Et également l'arrivée du jeu Angry Birds. Je vais voir si je peux vous montrer là-dessus. Bah, ça va peut-être être difficile. Extra, games. Allez, allez, oh, Angry Birds. Donc on va regarder vaguement, enfin, vite fait Angry Birds. Ça va être assez difficile, je pense, là, à une main, mais je vais voir ce que je peux faire. Hop, donc sur un écran, ici on est sur du résistif. Si je ne me trompe pas, voilà. C'est plutôt sympa. Je vais faire un... Is it resistive or capacitive touch? This one. It's capacitive. It's capacitive. Oh, sorry, resistive. Oh, resistive. Resistive. Okay. 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 Bon, je confirme, c'est capacitive. Thank you very much. Ok, donc vous avez vu, je fais les choses en live, c'est pas grave. Voilà, donc là, Angry Birds sur S40 en version tactile. J'ai pas encore testé, mais ça a l'air, vous voyez, de fonctionner assez bien. C'est pas extrêmement fluide, on n'a pas les mêmes performances que sur un appareil plus puissant, sous Symbian. Même sur les autres OS, je vais essayer de jouer encore un tout petit peu et je vais... Ah, moi j'ai gagné, c'est pas ok. On va quitter ça et on va regarder les autres éléments de l'interface. Close application, yes. Toc. Voilà. Donc là sur la page d'accueil, vous avez un accès rapide à vos réseaux sociaux, par exemple ici. Donc voilà, MediaFile, Twitter, hop, ça c'est sur Facebook. Un accès rapide à vos communautés pour accéder aux réseaux sociaux, etc. Je vais attendre que ça charge. C'est pas sûr que ça charge, parce qu'il y a des problèmes de wifi ici. Mais peut-être qu'il est en 3G l'appareil. Au pire, on restera pas dessus. Ça va être difficile. Ok, on va passer. Ouais, je vais essayer de charger. On va dire non. On va faire hide. Et je vais essayer de la relancer. On va passer à la suite. Ok. Ensuite ici vous avez des contacts en raccourci rapide, là des raccourcis rapides vers des applications en haut des widgets et ensuite si vous restez appuyé, toc, personalized view, vous pouvez personnaliser ces sortes de widgets que vous pouvez mettre en page d'accueil. Dans le menu vous avez votre calendrier, voilà c'est de façon assez classique, les contacts, ici. Ça on va pas s'éterniser, le lecteur musical qui est plutôt... Assez simple, mais qui marche bien quand même, vous voyez. Le volume qui se règle sur le côté là. Hop. Le browser Nokia dont je vous parlais, là ça va être dur, on n'a pas internet. Les photos. Appareil photo, etc. On va voir un peu l'interface, voilà. View photos, etc. Ça c'est plutôt classique. Et puis après on a fait un peu le tour, il y a le store également, mais c'est à peu près tout hein, pour ça. Donc
7 mégapixels, la caméra, pas d'autofocus, hein, faut pas rêver sur ce genre d'appareil. Et puis c'est à peu près tout hein, pour mon petit tour du HA300, un appareil qui coûtera pas très cher, j'ai plus le prix en tête, mais je vous le mettrai sur l'article et dans la description sur YouTube. À bientôt.